presque cuit. T'es un flic, alors. De Denver, hein? Oui, de Denver. Chasseur de primes, c'est ça. Non, je suis aussi pressé que vous de traverser le désert. On va bientôt se trouver dans un embouteillage. Vous n'avez pas un peu de munitions? J'en ai plus du tout, j'ai eu une petite altercation avec un shérif boiteux. Merci. Pas de quoi, c'est le moins qu'on puisse faire pour un collègue. Quand j'ai vu ton canon pointer droit sur ma tête, je me suis dit à moi-même, les gars, on en a plus pour longtemps. Eh ben, t'avais raison. Laissez tomber vos ceintures. Toi, tu vas chercher les chevaux et tu mets le plus joli sous ma selle. Salaud, tu volerais ton propre père. Bien sûr. Il fait trop chaud pour rester debout. Hé, les flageolets. Tu vas pas tous les bouffer, hein? Tu vas le payer très cher. T'es que le sale fils d'une vieille yède. Ouais, c'est ça. Again we must travel on to nowhere, nowhere. Even when we were kids, we stood alone. All the things that we tried just never mattered. They all shattered, so we packed up and moved on. Trinity, Trinity.
Un bon vieux dada. Ils sont presque cuits. Il a vraiment été sonné dans notre dernière bagarre. Eh oui. J'ai pas bien compris. Hein? Oh, les mains! Quoi? J'ai dit, oh, les mains! Si tu cherches à avoir un trou dans la tête, bouge et tu l'auras. Ah, vous êtes de la police, hein? J'ai pas bien entendu. Vous êtes des flics? Rangers, peut-être bien. Quelque chose te grignote la conscience, punaise. Combien tu vaux? 500 dollars? Oh là, pas encore, hein, je ne suis qu'un débutant. Mais le juge Fitzpatrick m'a dit que si je m'améliore, eh ben, je vaudrais bientôt 1000 dollars. Aujourd'hui, la prime n'est que de 50. C'est pas mal. Est-ce que t'as piqué des poulets ou des canards? Non, des dindes. Tu peux les baisser d'un dodo. T'en fais pas. On n'est pas des flics, nous. À propos, est-ce que t'en as vu dans ce pays? Bah, ils m'ont suivi à peu près une cinquantaine de kilomètres, mais ils ont renoncé quand j'ai pris le chemin du désert. Tu t'es enfui sur cette vieille loque. Ah oui, t'as peut-être raison, oui. Mais il tient le coup, hein. On verra ça plus tard, hein. Mais qu'est-ce qu'il a, le vieux? Il a encaissé un coup de poing en plein sur la tête. Qui l'a tapé? Un mammouth à deux pattes. Ah, je connais peut-être ce vieux fossile. Si je mets la main dessus. Tu vas t'en sortir avant chaud. Vous savez, j'ai entendu dire que si on tape un sonnet sur la caboche une deuxième fois, eh ben, il revient à lui. Hmm? Ouais. Ouais, c'est bien ça qu'on dit. Je sais que c'est la pure vérité parce que mon oncle... Ton oncle? Il a cogné mon père en plein sur la caboche, hein. Ensuite, il l'a tapé encore pour voir s'il respirait, et puis il s'est penché sur son corps pour écouter. Alors, pas, il a rebondi tout d'un coup sur mon oncle, son propre frère, et il l'a mis KO. Pourquoi pas essayer ça, hein? Mmh. Je regrette, vieux pote. Il se peut bien que la punaise ait raison. Un bon coup sec. Des fois, ça marche pas. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ramasse ce pauvre bougre. Mmh.
Eh ben, je vous remercie tous les quatre. Laisse ton cheval. quel cheval? Ton cheval. Dadono. Je n'ai pas d'objection. Ce serait le comble. S'il n'en a pas non plus. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Et il dit non. Ben, je crois que c'est le moment de régler nos comptes. En plein dans le mille, Dadono. Et patron, j'aimerais m'en occuper, moi. Vas-y, il est à toi. T'as qu'à lui faire un croche-pied, il s'en ira, clopin-clopant. Dépêche-toi, les faillots refroidissent. T'es au bout de ton chemin, punaise. Jetez vos flageolets, vos pistolets. Fait trop chaud pour rester debout, hein? De sang-froid? Oui, je dois avouer que je n'en sais rien. Je débute, je te l'ai déjà dit. T'as qu'à m'apprendre les règles du jeu, hein? Oh, c'est pas la peine. Si j'étais toi, j'oublierais toute cette histoire. On avait envie de rigoler. Mais t'es pas moi. Sans même nous donner une chance? Ben, j'ai une idée. Vous allez vous bagarrer, et puis celui qui sera sur pied à la fin, eh ben, je le tuerai pas. D'accord? Allez-y, puis mettez le paquet, hein. Ben, fais attention. Enfin, il s'est zigouillé. Hé, hey, il est-il de gueuler, Poufias? Viens ici, je te dis, il y a quelque chose d'intéressant. Oh, merde. Si c'est intéressant, ça vient pas de toi, c'est sûr. Oh, merde. Je me crève le dos à baigner Bambino et ce vieux bon à rien me dérange. Si Bambino en a marre de m'attendre, s'il sort de la baignoire, il rentrera plus avant le printemps. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? T'as encore eu une attaque? C'est presque ça, mon petit trésor. Tu sens rien dans l'air? Ah, Trinita! Ah, j'en crois pas mes propres yeux, mon lionceau est enfin revenu à la taille. On le croyait déjà bouffé par les vautours. Où c'est que t'as traîné ta bosse, tout ce temps, petit gars? Un peu partout. Pourquoi tu m'as pas écrit? Oh, un, je sais pas écrire, et deux, tu sais pas lire. Non, c'est bonne raison, ça fait sens. Allez, viens, tu vas avoir une surprise. Oh, pas vrai, ça. Hé, hey, Bambino, il y a de la joie, regarde qui est là. Salut. Le sale. Oh ben merde alors, t'es pas content de voir ton propre frère? Non. Oh, mais sauvage, là. C'est que Bambino a raison, père. Oh. Ce bandit-là lui a piqué un troupeau de chevaux magnifique sous son nez. Bah, comme t'aurais fait toi aussi, salopard. Alors tais-toi et mets le couvert sur la table. Et toi, mon agneau chéri, va te baigner avant que ton odeur ne me rende malade. Ah.
Tu t'en vas tout de suite? Si toi tu restes, oui. Écoute, si j'étais toi, je le noirais dans ce béquet d'eau dégueulasse, hein, petit? Hein? Mais dis donc, tu vas pas écouter ce vieux pochard, hein? Mon! Oh, la paix, homme de bonne volonté! Arrêtez de vous chamailler, les gars! C'est l'heure de la bouffe! Arrête de bouder, Bambino, tu veux, hein? Et voilà. Regardez-moi cette bestiole. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Ah ben j'en sais rien, il nous volait autour l'autre jour. On dirait un aigle. Possible. Goûtons-le. Non. Je l'ai toujours dit, vous êtes des sauvages, les gens bien y pris d'abord. D'ailleurs, comment ça, reste pas encore pour une bonne sœur? Cette poufiasse veut toujours me casser les... Toi qui es dans le ciel, Marie, Mère de Dieu, tu dois me comprendre. Parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, toi aussi, tu as eu un fils qui t'en a fait voir de toutes les couleurs. Tu sais ce que c'est? Alors sois indulgente avec mes chers petits, pardonne leurs fautes et protège-les, je compte sur toi. Amen. J'ai dit amen, espèce de païen. Amen. M'avance pas dans mon assiette. Mais c'est toi qui as le zézier, je le veux. Maintenant, buvons. Hein? Rinçons-nous le gosier et prions le Seigneur de nous... Ah, folie la paix pour une fois. Il y en a ras-le-bol de t'entendre toujours brailler comme un homme. On a besoin de sa protection. Rends-moi mon oiseau. Chérie, quand cette chasse aux poux sera terminée, tu veux bien aller chercher une bouteille, hein? Bon, on a presque tout vu. Hey, on a de la visite. Combien? 4. Est-ce qu'il y a un shérif? On les connaît? Ils ont le visage caché. Bougez pas, les gars. Tu sauras bien t'en occuper, hein? Non, c'est moi qui suis l'ange gardien, j'en ai ras-le-bol. Tiens, tiens, tiens. Ce que le monde est petit, hein? Ouais, et surpeuplé aussi. Au pistolet! Toi aussi, vieux pépère. Allez, ça va, dehors. C'est les trésors. Ah oui. Ça y est. Allez, allons-y, braves gens. Dehors et en vitesse. J'ai dit en vitesse. Dehors, allez, dehors. Doucement, madame. Ta gueule encore un peu plus. Allez, foutez le camp, et plus vite que ça.
Tiens, étrangle-toi. Merci, trésor. Les gars, le vieux veut vous parler en tête à tête. Mais lui répondez pas, il a vraiment une mine de déterré. Une indigestion? Non, une attaque de bronchite. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, il y passera. Allez, venez. Bof. Écoutez, mes gars, il y a gros à parier que je vais faire mon dernier voyage très bientôt. La faucheuse me guette depuis trop longtemps. Mais avant de vous quitter, je voudrais avoir l'assurance que vos têtes sont mises à des prix avantageux. Ah, je me fais de la vie pour toi, gars. Tu roules ta bosse depuis des années maintenant. Tu traînes ta carcasse partout sur cette litière et t'as toujours pas de métier. Je t'ai appris à bien tricher aux cartes, mais t'as peur de te fatiguer les doigts. À ta place, je deviendrai un voleur de bétail. Et c'est un métier noble, mais très difficile. On ne devient pas un voleur de valable en un jour, tu sais. Faut se les creuser un peu. Prends exemple sur Bambino. Il suit la bonne piste. Oh, il a encore un tas de choses à apprendre. Ouais, mais ça sera un voleur de grand chemin. Eh, mes gars, promettez-moi qu'à partir d'aujourd'hui, vous travaillerez toujours en associé. Quoi? Tu jetteras un coup d'œil sur ton frère, il est jeune, c'est un débutant. Tu dois lui apprendre des astuces. Protège-le. Aide-le comme si c'était ton vrai frère. Mais tu rigoles! C'est moi qu'on devrait protéger lui! Oh, laisse le clamser en paix, le malheureux! D'accord, je le protégerai. Mais tu devras marcher droit, sans l'ouvrir, ou ta mère aura un fils cul-de-chat. Et tu traîneras plus ta carcasse sur cette civière. J'ai compris. Et c'est ce que tu veux. Ouais, c'est ce que je veux. Et on peut pas dire, hein. C'est qu'un bébé, il sait pas encore fermer sa gueule. T'en fais pas, je reste sur lui. Merde, trésor, j'ai envie d'un whisky. T'en fais non, plutôt deux whisky. Oh putain, qui a porté la bouteille dans le fond? Dis donc, tu sais pas t'asseoir sur une selle autrement, hein, patate? Bah non, autrement c'est trop fatigant. Où allons-nous? Au nord. Pourquoi au nord? Parce que je l'ai dit. Bon ben, j'ai le droit de savoir. Non, tu n'as aucun droit. Ou tu fais ce que je te dis, ou je te largue. Ah, où est-ce que tu me largueras? Ta gueule! Réveille-toi, ballot, il y a du boulot. Couvre ton visage. Pourquoi? Règle numéro 1. Avant de braquer une diligence, il faut se couvrir le visage afin que personne ne vous reconnaisse, c'est clair? C'est clair. On s'en le dit, c'est impossible. Arrête de t'agiter, j'ai encore mal au ventre. Dépêche-toi. Haut les mains. Ouais, haut les mains. Je dis haut les mains. Bougez pas. Les mains en l'air, mon chien. Pourquoi tu tires, toi? Pour chasser les corbeaux. Alors j'attends. Plus haut que ça. Eh ben, s'il élève plus haut, le môme va tomber. Ta gueule. Maintenant, la bourse ou la vie. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien que nos vies. Nous sommes venus ici pour travailler. Pour travailler? Bon, alors t'es aussi bien mort que vivant. Doucement, le môme. Fouille le wagon. Mais non, monsieur, la ferme. Il a quel âge, ce dada, là? Ah. Oh. Salut. Ah, j'ai dit salut. Est-ce que tu... En cette circonstance, je crois que oui. Mais nous n'avons rien. Nous ne sommes que des fermiers. Des fermiers? Ça me fait de la peine. Hé, hey, qu'est-ce que tu fricotes là-dedans? Au revoir. Reste ici et n'aie pas peur. Alors, t'arrives?
Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, une vieille mémère et du pain rassis. Bah, tu n'arriveras jamais à changer la roue comme ça. Nous sommes en panne depuis 3 jours déjà. Et ce pauvre enfant a très mal au ventre. Ah, ça s'entend, ça. Ouais. Il faut aller chez le médecin si tôt que possible. Médecin? Non, mais alors, t'as du fric, espèce de rat de prairie. Nous vendrons le wagon s'il le faut. Bah, dis donc, ils sont vraiment fauchés. Ta gueule. Viens m'aider. T'es prêt? Ouais. Grouille-toi. Allez, tiens bon, pense à la vieille mémère. Grouille. Ah ben, cette roue pèse une tonne. Ça? Ça y est. Oh. Ah ben, c'était pas très difficile, hein. Allez, n'oublie pas de graisser les essieux et de remettre le carter. Va donner du fric, disons, $1. Hein? Oh, c'est pas vrai. Oui. Oui, oui, 20 dollars, merci beaucoup. Oh, si tout le monde était aussi généreux que vous. Vous laisseriez voler du matin jusqu'au soir. Écoute, Bambino. Ta gueule, et puis m'appelle pas Bambino. Bah, alors, comment veux-tu que je t'appelle alors? Tu vas pas m'appeler, t'as qu'à me siffler. Alors, qu'est-ce que t'attends maintenant? Allez, presse-toi. Salut! Et hop! Yop là! Tout ça pour une vieille mémère? Yow! Ils s'en vont, on le dirait. T'es hors la loi les plus bizarres que j'ai jamais vues. Oui? Pas mal cette ville, hein? C'est encore mieux de ce côté-ci. Un peu moins bien de ce côté-là. Règle numéro 2, crétin, te fais pas remarquer. J'y veillerai, Balou. Eh ben, coupe le coca. Surveillez de près, hein. Bienvenue à Tascosa, messieurs. C'est ici que le vrai West commence. Si vous cherchez du travail, vous êtes vraiment là où... Ta gueule. Ouais. Non, je crève de faim. Et celui-ci est le point délicat. Hein? Je devrais me trouver un armurier. En attendant, passe la vigne au peigne fin, d'accord? Elle a des possibilités. Eh, t'attire pas d'histoire. Dis oui à tout et sois sage. Et le Seigneur vous protège. Merci, mon vieux, merci. Je te rejoindrai au saloon. Dis donc, c'est une ville tranquille d'après ce que je vois ici. Hein. Oh, aisez-vous, sinon vous nous porterez malheur. Pourquoi? Parce que Will Cardendrick est en ville. Et la moindre étincelle les fait rager, lui et ses amis. Will Card? Qui c'est ça? Un joueur professionnel. C'est un roublard qui cache ses atouts, mais ne lui dites pas sa sensibilité est à fleur de peau. Et surtout, ne le regardez pas droit dans les yeux. Ça le rendrait nerveux, et quand il est nerveux... Eh, monsieur, vous oubliez votre carabine. Où est-ce que tu vas? Tu sais qui c'est? Will Cardendrick, un professionnel. Dis donc, t'aurais pas peur des fois? Est-ce que t'as un peu de fric? Ça, c'est une idée, frangin. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, j'aimerais pouvoir dire à mes amis que Will Cardendrick a joué avec moi.
dit, Tassin, qu'on serait pas mieux. Ben, les gardes désigneront le donneur. Hein? Je passe. J'ouvre avec 10 dollars. 10 dollars plus. Je n'arrive pas. C'est à moi alors. Je voudrais voir l'ouverture. On coupe les cartes dans notre pays, hein? J'ouvre avec 10 dollars. 10 plus 50. Plus 100 si vous voulez rester. Deux pour moi. Je suis servi. $100. Cent plus 100.
Tom, je crois que tu as triché. Hein? Tu crois ça? Oui, je le crois. Je t'offre un verre, mon petit. Avec un verre de whisky dans le ventre, tu sentiras à peine la balle quand elle te touchera. Mmh. Ouais. Donne-lui un double whisky. De cette manière, tu ne sentiras rien du tout. Tu veux voir ça encore? C'est un peu dur à suivre la première fois. Oh, gros. T'as suivi? Tu crois que cette histoire finira ainsi? Ouais, je crois. Dis donc, combien on a ramassé là? Tu veux dire combien j'ai ramassé? Toi, le gros, t'aurais pas perdu des fois? Eh, ça va, si tu y tiens, sois le banquier. Au revoir, mes amis. Et à bientôt. Ouais. C'est bien elle. Qu'on se voit comme ça, toi et moi, parce que ben, tu nous as sauvé la vie l'autre jour en nous volant. Oh, je veux dire, en nous dépannant. C'était pas un vol exactement, mais non, pas du tout. C'était notre devoir, à vrai dire. Oh, je savais que vous n'étiez pas de vrais hors-la-loi. C'est ça. Bon. Je dois te le dire, je crois. On était en mission spéciale, tu vois ce que je veux dire. Oh, vous êtes des agents fédéraux, alors? Oui et non. On est autre chose que des fédéraux, mais... Est-ce que vous pensez rester ici? Si vous cherchez du travail, vous êtes là où il faut, là où le vrai Ouest commence. Cette région n'est pas pour nous, fermiers. Je crois que papa veut aller à San José. Ah, San José. Oui, San José. Ah, c'est une belle ville, San José. Le vrai Ouest commence là. C'est très joli. Ne vous en faites pas, ce n'est rien de grave. Merci, docteur. Au revoir. Eh ben...
Au revoir et bonne chance à San José. Hein. Un instant, je voudrais que mes parents sachent que vous n'êtes pas dehors la loi. Non, pas. Regardez, c'est le monsieur. Bien sûr, c'est le gentilhomme qui nous a dépanné avec le wagon. Oui, je sais que j'oublie jamais un visage, vraiment. Vrai. Nous vous remercions beaucoup, monsieur. Monsieur. Il ne peut pas nous dire son nom. C'est un agent fédéral et il est en mission spéciale. Ouais, il y a une bande de malfaiteurs dans cette région que le gouvernement voudrait boucler à tout prix et nous sommes des experts. Ne dites pas au capitaine de quoi on parlait. Il est très pointilleux. On dira rien. Bonjour. Dis donc, mon Charlet. Non, vous inquiétez pas pour nous, capitaine. On s'est gardé la bouche cousue. Tant mieux. Alors, comment va Pouet-Pouet? Le docteur a dit que c'est... Non. Je pense que c'est de la... Aéro quelque chose. L'aérophagie. Oui, c'est ça. Aéro quoi? Bon, c'est comme ça qu'on appelle ça dans ce pays. À l'écouter, on dirait qu'il est très malade. Une bouteille de whisky lui fera pas de mal. Je peux? Merci beaucoup, capitaine. Si tout le monde était aussi généreux que vous l'êtes, Eh ben, le gosse deviendra alcoolique. Les agents fédéraux les plus bizarres que j'ai jamais vus. Ah ben, on dit que c'est le meilleur restaurant de tout le continent, dis donc. Je regrette, messieurs, mais le restaurant est réservé aux membres. Ben, on est justement ça. Entrez, messieurs. Bon. Ils ont vraiment des gueules de flics, hein? Il s'agit de cette région. C'est santé. Messieurs, est-ce que monsieur... Alors? Alors quoi, monsieur? Apporte-nous à bouffer. Bien, messieurs. Peut-être ces messieurs désirent-ils commencer avec... On veut commencer. Bien sûr. Puis je suggère... Non, tu peux pas suggérer. Apporte-nous à bouffer et à boire. Je vais suggérer. Antoine, du vin pour ces messieurs. Cette mauvaise odeur. Ça ne m'étonne pas. On s'attendait à ce que le gouvernement y mette. Je vous ai toujours dit de ne pas vous inquiéter, Lopper. Dans ce cas-ci, leur curiosité sera malsaine. Mais vous ne pensez pas... J'ai toujours été très prudent, non? On ne tue pas des agents fédéraux, on les achète, monsieur. D'ailleurs, on sait que les fonctionnaires sont toujours prêts à se vendre. Fais ça encore une fois et je te crève. Très bien. Merci, monsieur. Et voilà, du coquelet à la bordelaise. Avec des oignons nouveaux, les marrons, les pommes de terre, les petits pois et des champignons sautés. Je suis sûr que cela vous plaira, cher messieurs. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Intéressant. Et voilà. Et voilà. Thank you.
vu, Lara, c'est une honte. Ce sera encore plus facile que je ne l'avais cru. Un jeu d'enfant. Du Bordeaux Pauillac, messieurs. C'est un vin exquis. Vous terminez? Oui, on va terminer. En toi, tout de suite. Cointreau, Curaçao, Grand Marnier. Un peu de tout, hein. Quelqu'un de là, ouais. Ça me va. Un instant, Antoine. Allez-y. Ce sont des crêpes sucettes flambées. Voilà. Ouais. J'aurai une conversation avec ces messieurs dans la matinée. La sincérité, mes amis, est toujours payante. Ah. Bon, merci. Et voilà, allons-y. Et un prétendant. Tiens, petit. Bonjour, messieurs. Monsieur, comment? Parker, James Parker. Je vous présente Monsieur Loper, mon associé. Je suis ravi. Monsieur, je voudrais vous présenter le capitaine. Ah, magnifique, magnifique. J'imagine que vous êtes un expert. ouais. Mes amis, je pense que des hommes aussi intelligents que vous ont su deviner la raison intime de cette rencontre si inattendue. Alors, je ne serai pas long en venir au fait. Oui. J'ai un service à vous demander, un tout petit service, capitaine. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de fermer un œil. Puis-je, capitaine? Nous fermons un œil et vous... Exact.
Il y a une difficulté, monsieur Parker. Même si le capitaine ferme un œil, il continuera à voir avec l'autre. Hein? Je crois que 2 000 $ l'aveugleront entièrement. Non. Et disons que 2 × 2 = 4. Vous ne voulez pas que je garde mes yeux ouverts, tout de même. D'accord, 4 000 $. Je m'étais dit qu'entre amis, nous arriverions à une entente cordiale. L'État a toujours eu la réputation de mal payer ses fonctionnaires. L'affaire est close. C'est bien entendu, n'est-ce pas? Bien entendu. Dans ce cas, je suis ravi de vous avoir rencontré. J'espère que nous nous reverrons. Murdoch, pourquoi tant de bruit? Murdoch aurait préféré fermer vos yeux à sa manière à lui. Personnellement, j'ai toujours détesté la violence, pas vous? Je suis un homme paisible, monsieur Parker. Mais des fois, je m'énerve et je vous conseille de vous en souvenir. Il s'en souviendra, lieutenant. Est-ce que vous retournez à Tascosa? Non, pensez... Nous allons à San José. Bien. Vous verrez vous-même qu'il n'y a rien à San José qui mérite votre attention, messieurs. C'est ça. On ne verra rien avec les yeux fermés, n'est-ce pas, mon capitaine? Ta gueule. Ya! Ya! Avertis les gars de San José et tout de suite, mon ami. Por favor, señor shérif, venez à la mission avec nous. Fous-moi la paix, espèce de hyène affamée. Seigneur shérif, il faut nous aider. Nous sommes citoyens, nous payons nos impôts. Oh, ne me fais pas rire, sale métèque. Pourriez-vous, mais nous n'irions pas, seigneur. Foule camp, je veux lire mon journal. Si, seigneur, mais si vous demandiez au moins de cesser de... Foule camp, vamos. Toi, il n'y a rien à faire. Nada de nada. En voilà un shérif qui devrait être en taule, tiens. Ah, tu es dit, frangin. Señores! Señores, je vous amène vos chevaux à l'écurie. Je les nettoie muy bien. Vous serez muy contentos. C'est ça. Comment saurais-je que ton œil n'est pas dû à l'insatisfaction d'un cheval? Ne me perds pas confiance. Oh non, señor, ça n'était pas un cheval. D'accord, soignez bien. Hein? Muchas gracias, señor. Enlevez vos pistolets. Quels pistolets? Les vôtres. Aucune arme en ville, c'est la loi. C'est toi qui l'as fait, la loi, tenancier. Non, mais la loi, c'est la loi. On ne peut admettre des gens armés. C'est la loi de cette ville. Et ne l'oubliez pas. Sinon, vous ne passerez pas une heure ici et vous ne rincerez pas vos gosiers. C'est toujours aussi gai, toi? Non. Quand je tiens un homme, j'ai le cafard. Tiens. Ça va. Ce sont les deux agents fédéraux dont Murdoch nous a parlé. Pas notre genre, ces gars-là. Des amis à toi? Celui qui parle, c'est Rip Smith, un valeur de bétail. C'est pas mal. Au milieu, c'est le cadet, Lenny Smith. Il préfère les banques. Et celui de droite? C'est Stinger Smith. Un chasseur de primes et un tueur professionnel. C'est un vrai dur. Alors sois sage. Salut. Je suis très sage, mais un de ces trois types qui nous ont dépassés sur le chemin il y a une heure te monte du doigt et éclate de rire. Tiens, il se moque de toi devant tout le monde. C'est la troisième fois qu'il te regarde en riant. Ça va, les amis?
Dis-moi ce qui te fait rire, Coco. Assieds-toi. Hé, il a mis sa main sur toi. Si tu fais ça encore une fois... On vous écrasera comme des termites. Vous voulez me faire voir comment vous ferez ça? Hein? Voilà. Ça suffit. Drôle de moineau. Il est avec nous, lui. Qui? À bientôt, j'espère. Tu penses qu'ils valent un peu d'argent? Salut. Est-ce que tu es devenu dingue, Smith? Je t'ai déjà dit de ne pas te montrer dans ce patelin. Après vous. Salut, shérif. Je suis toujours au service de la loi. Bon, c'est bien. Dans ce cas-là, tu nous dois $800 pour cette marchandise. Bien sûr. Et où avez-vous trouvé ce type? Au saloon. Non. Si. Tu ne les boucles pas, shérif? Oh, si, si, si. Avec plaisir. Allez, dépêche-toi. Allez, vas-y, vas-y, toi aussi. Pressez-vous. Allez, grouille. Écoute, chef. À la ferme, vas-y, va. Qu'est-ce que tu attends? Ils me connaissent pas encore, ces moustiques-là. Pas encore. Signe ici. C'est $500. Merci. Salut, shérif. À bientôt, hein. Oh, j'ai failli oublier. Tu as le bonjour de Parker. Merci. Non, et attendez, vous êtes les deux. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je dois faire de ces hommes? Ils travaillent pour Parker aussi, non? Comme tout le monde à San José. Alors, quel est ton problème? Franchement, je ne vois vraiment pas pourquoi je dois les garder bouclés. Et vous? Laisse-les mijoter le temps de se repentir. Ensuite, ils te tapent sur la caboche et te jettent en tôle. Et puis, dans l'intérêt du réalisme, demande-leur de mettre un prix sur ta tête, disons de $500. Mort ou vivant. Vous savez que Parker ne veut pas qu'on fourre son nez aux alentours de la mission. Oui, on le sait. Tu
Tu veux bien me dire pourquoi on se cache dans ces buissons comme des vulgaires voleurs de bétail? Parce que nous sommes des vulgaires voleurs de bétail. Je fais de mon mieux, moi, pour t'apprendre le métier. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? Que les chevaux viennent à notre rencontre? Qu'ils aillent plutôt au diable. Et si on allait à la mission en attendant? Je sais pas pourquoi, mais cette histoire m'a... Un troupeau de Mustang, 30 si je me trompe, peut-être 50. Voilà pourquoi on pourrait être ici. Allez, bougez-vous! Yeah. Allez, en route, bourrico! Ils sont 2000 fatigués. De quoi? Mais avancez, nos vachins! Avancez! On dirait que leur wagon est encore en panne. Oui, merci, oui, j'aurais pu le deviner, oui. On va les dépanner? Non! Allons-y! Zut! Oh! Nous sommes ici pour l'éternité, à moins d'un miracle. Oh mon Dieu! Voilà le miracle, pas! Quoi tu parles? Salut! Vous avez besoin d'aide? C'est le moins qu'on puisse dire. Et comment? Et ils ont planté leurs pattes dans la flotte et je peux plus les enraciner. Et hop! Ah. Ils iront au galop dans 2 minutes. Accroche-toi à moi et tiens-toi bien. Ouais, on va s'envoler comme des oiseaux. Eh, hey, il se fait tard, lieutenant. Prête? Accroche-toi. On y va. Bah. Ils sont aussi petits que des mules. Maintenant, je crois que vous pouvez... Oh, y a pas de quoi. Vous partez tout de suite, je suppose. Ah non, je crois que non. On va camper ici cette nuit. Pourquoi vous ne restez pas avec nous? Ma fille est une bonne cuisinière, vous savez. Ah, c'est une bonne cuisinière aussi. Hein? Tu sais, tu es une très bonne cuisinière. Je n'ai jamais mangé des flageolets aussi mijotés. Merci. Comme des diamants ce soir, tu ne trouves pas? Les petites étoiles brillent bien, mais moins que les grandes. C'est vrai. Je n'avais pas du tout pensé. Vous, les agents fédéraux, vous êtes bien au courant. Est-ce que tu sais que l'eau des fleuves coule toujours dans la même direction? Et est-ce que tu sais que, je veux dire, toi et moi, tu vas où? Au nord. Où? Au nord. Ah, c'est beau le nord. Je viendrai te faire une visite. Non, lieutenant, non. Lieutenant! Oh non! Je ne savais pas que les agents fédéraux travaillaient la nuit aussi. Ouais, comme les voleurs de chevaux. Lieutenant, as-tu oublié que nous sommes de service? C'est vrai, capitaine, mais il devrait y avoir des exceptions exceptionnelles, à mon avis. Non. C'est un ordre? Ouais, c'est un ordre. Madame, mademoiselle, ça a été un plaisir.
Au revoir, mon petit. Mange pas ton toute la gelée, hein. Ça sent tant qu'il va mieux, oui. Oui, mais l'aérophagie souffle encore. Allez, achetez-lui un tonneau de whisky, comme ça il ira plus vite. Si tout le monde était aussi généreux que vous... Vous seriez milliardaire. Presse-toi, lieutenant. Oui, mon capitaine. Hop, et voilà. Ya! T'es bon, gars. Ah oui. Ouais. Ah ben, il y en a une qui part pour Chihuahua demain. Chihuahua, ben non. C'est une ligne frontalière. Il y aura dessus que des péons affamés. Alors, il vaudrait mieux attendre le départ de la diligence à Anthony Houston. Bon, alors on va l'attaquer près du fleuve. Ben non, non, c'est plus à la mode de nos jours. C'est bien plus sûr de braquer une diligence près du relais. Il y a personne qui s'y attend, ni les cochers, ni les passagers. Mila. Qu'est-ce que vous regardez? Vous venez maintenant pour les moines, signores. Quels moines? Les moines de la mission, signor. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Je vais à la mission confesser mes péchés, mais au lieu de me bénir, les moines, ils me font un œil poché. Ah ah ah, bah, tes péchés doivent être faramineux. Que non, signor. Dans le passé, les petits moines étaient des vrais saints, mais aujourd'hui, ce sont des diables. Ils boivent et ils disent des gros mots. Ils font aussi l'amour. Et quand on se confesse, ils... Ils vous cognent dessus. Oh si, signor. Très, très dur. Ça va, alors? Non, seigneur. Oh, non. Ben, non, c'est pas ça. Je voulais dire, on s'en occupera des moines. C'est vrai, seigneur? Ben oui, compte sur nous. Gracias. Muchas gracias, seigneur. Ces bagarres entre les moines et les péons te mettent la puce à l'oreille, hein? Non. Alors, ne crois pas que j'irai, hein? Non, 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 je ne crois rien du tout. On a touché 4000 dollars simplement pour verrouiller nos yeux. Et le shérif veut qu'on reste éloigné de ces moignillons éméchés. Ça sent la bonne affaire. Et elle vaut plus que 4000 dollars, j'en suis certain. Et alors? Mon frère, n'aie pas peur. Dieu soit loué, mon frère. Pourquoi? Bienvenue, mes frères. Voyez-vous, lorsqu'un pauvre pèlerin ou un voyageur fatigué frappe à la porte de notre mission, nous l'accueillons en disant « Dieu soit loué, mon frère », et il doit répondre qu'il soit toujours loué. Ah, j'ai compris. Qu'il soit toujours loué. Tu ne veux pas le louer? Ouais, qu'il soit toujours loué, ouais. Entrez, mes frères, entrez donc. Essaie de leur faire cracher le morceau, Bambino. T'en occupe pas, il m'appelle pas Bambino. Qui est le patron ici? Disons que je suis le pasteur de ce maigre troupeau. Que puis-je faire pour vous? Disons que ce pauvre pèlerin voudrait se confesser et que ce voyageur fatigué voudrait se reposer. Le voyageur peut se reposer et le pèlerin peut se confesser. Viens, mon frère, viens avec moi. Viens.
où tu vas, Pépère? Dans le confessionnal. Et tu veux qu'on tienne à deux là-dedans, on laisse ça à bord. C'est à moi à rester ici, mon fils. Toi, tu t'agenouilles là, juste en face de la grille. À genoux, ici. Tu peux t'asseoir si vraiment tu préfères, mon fils. Ouais. La première fois, mon fils. Ouais, et étant donné cette mise en scène, la dernière aussi. Raconte-moi tout, mon fils. Tout quoi? Mais tu n'es pas ici pour te confesser. Si, si, pour ça aussi. Que veux-tu dire par aussi? J'y suis aussi pour que tu me bénisses. Mais d'abord, il faut se confesser. Ensuite, je te bénirai, mon fils. Je te préviendrai qu'une fois, je tranche la gorge au mouchard. Non. À l'exception de moi-même, seul lui saura, mon fils. Non. Ou c'est privé entre toi et moi, ou on laisse tomber. Très bien. Commence, mon fils. Commencer quoi? À te confesser. Hein? Alors, continue, mon fils. Alors, quand j'avais 12 ans, mon père m'a tout de suite pris dans sa bande de coupe-gorge et de voleurs de bétail. Oh, j'étais un bon élève, je t'assure. J'ai tué un homme de mes mains nues. J'ai attaqué 6 ou 7 banques. Ça suffit, je t'en prie. Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait faire pénitence, te repentir de tout ton cœur. Ouais, je me repentis. Maintenant, bénis-moi, si tu veux. Je ne comprends rien. Rien, tu dis? Dépêche-toi de me bénir. Tout de suite, ne sois pas si pressé, mon fils. Ouais. C'était ta dernière bénédiction, madame. Au secours! Le frère! La dernière fois que tu as ramené la main. Au secours! Sali, voulait me taper. D'abord, il a marmonné dans sa barbe, et puis après, il a essayé de me lâcher un crochet du droit comme un traître. Oh, mais je voulais te bénir. Avec un crochet du droit? Ça sent mauvais dans cette mission. Tu veux pas te confesser, toi? Pourquoi bats-tu les péons? Ce n'est pas nous qui frappons ces hommes. C'est Lucifer, oui. Lucifer en personne. Tu connais? Non, je l'ai entendu parler de lui. Ça doit être un gars qui travaille dans l'Est. Eh bien, si ce Lucifer vient encore dans le coin, ben, envoie-le au diable. Que le Seigneur vous accompagne. Non, on connaît le chemin. Salut! Regarde. Pas vrai. Ah, ben, sérieusement content de vous revoir. Ben, c'est nous qui sommes contents, ouais? Ouais. Je vous croyais dans le Nord. Ah non, pas encore. D'abord, j'ai une lettre à remettre à un monsieur... monsieur... Stingary Smith. Ah, ce coquin de Stingary. Un de nos amis. Aujourd'hui, il n'est pas en ville. Hein? Non, mais on peut lui donner nous-mêmes. Aussitôt qu'il reviendra. Oui, c'est de la part de qui, mon vieux? Je crois qu'il a dit Murdoch. Ouais, frère Murdoch. Un moine qu'on a rencontré l'autre jour. Il nous a dit de dire à M. Stingary d'envoyer tout de suite les épouvantails du Sud. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, on lui fera le message. Eh ben, comment va la famille? Ah, ça va, ils sont à la mission. La mission? Oui, les vieux moines aiment beaucoup notre bébé, ils le gavent de sucreries. Il faut les en empêcher. Le petit va encore mal au ventre et ça pourrait déclencher une explosion. Allez, au revoir, venez nous voir un de ces jours. Au revoir.
Enfin, on peut s'occuper de la diligence. J'ai envie d'aller à la mission. Qu'est-ce que tu en dis, Bambino? Non! Tu vas te hisser sur ton dada et aller voir ce qui se passe à côté du relais d'Apache Spring. C'est là qu'on va attaquer la diligence. Tu piges, Cornio? Tout de suite? Ouais, tout de suite. Mais ça fait 20 000 et j'ai peur de voyager la nuit. Alors, dépêche-toi. Cette espèce de... Allez, mon petit, au dodo, c'est beau rêve. Papa, est-ce que je peux rester un peu dehors? Ouais, mais pas trop longtemps. Oh, la nuit est si belle, j'ai envie de me promener. Salut! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Le service de nuit. Sur le mur? Eh ben, oui et non. Le capitaine m'a donné l'ordre de surveiller ce mur. Et alors... Je vais descendre. Attends-moi. Mm-hmm. J'attends. J'aime surveiller les murs. J'aime surveiller les... Si tu veux boire toute la nuit, amène la bouteille dans ta chambre et ici, on ferme à minuit. Depuis une semaine. Alors dis-moi où je pourrais trouver Stingray Smith. En tôle. Qu'est-ce que t'as dit? En tôle? Oui, en tôle. Qui a osé le boucler? Le shérif, qui d'autre? Alors il a très bien fait disparaître. Alors il est... 10 heures pile, monsieur. Allons-y. Ils sont sûrement dans le patelin. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous occuper de ces agents fédéraux. On n'a pas le temps, Stingray. Et je te conseille de ne pas trop les taquiner. Qu'est-ce que tu veux dire? Si eux, ce sont les agents fédéraux, moi je suis l'empereur de Chine. Ce sont deux tireurs professionnels et ils sont très rapides. Ce sont quoi? T'as entendu? Alors c'est les beaux chevaux. Parker a encore une livraison pour mon allait. C'est toi qui l'as dit. Vous allez rester ici? On voudrait bien. La terre est très fertile. Le prieur voulait nous faire cadeau d'une ferme de 2 hectares, mais l'archevêque ne voulait pas. Ah, l'archevêque, hein? L'archevêque. Peut-être parce que nous sommes protestants. Ben, il fallait pas protester. Ouvrez! Ouvrez! Hijo de puta! Retourne au wagon. Dépêche-toi. Vas-y. Ouvrez! Au nom de González! Dépêchez-vous. Allez, ouvrez la porte. N'ayez pas peur. Ouvrez. 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 Ou
Taisez ou ne donne. Au travail, vous aussi, hijos de puta, grouillez. Venez, mes frères, nous priverez. Plus vite que ça. Travail, famélette, travail. Laissez-moi faire. Oui, capitaine. Toi, mets ça dans les wagons. Yacinto, el dinero. Attrapez-le. Hé, hey, toi. Tiens. C'est 50 000 dollars à normes. Fais attention. Ou le Seigneur Parker te donnera sa bénédiction spéciale, courez. Ça y est, Yacinto. Si, Seigneur. Vamos, Yacinto. Arrête, Yacinto. Oh, mon Dieu, le diable. Protège-moi, mon frère, protège-moi. Les vrais moines, mettez les mains en l'air. Que chaque moine qui est un vrai moine boxe un moine qui n'est pas un moine. Tous ceux qui sont debout, haut les mains. Tout le... Oh, miséricorde. Oh, mon Dieu, le prieur, c'était mal quelque part. Restez dans le wagon, ne bougez pas. C'était ta dernière livraison d'armes de contrebande. Et ne l'oubliez pas, mon frère. Oh, tu as failli le tuer? Non, je l'ai égratigné pour qu'il crache le morceau, c'est tout. Mais mon frère, toi aussi, tu dois t'expliquer. Hein? Lieutenant, que s'est-il passé? Lieutenant? Ouais, lieutenant, et fonctionnaire. Hein? Mmh. Que le ciel nous protège de la colère de Parker et son clan. Et même les bandits mexicains vont nous punir à cause de ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont à y voir? Eh bien, Parker vend des armes aux bandits qui terrorisent toute la région frontalière. Et il se sert de notre mission comme entrepôt. Et comme banque aussi. Hein. C'est exact. Mais j'ai bien peur d'être obligé de prendre ça, question de devoir. Oh, mais lieutenant, si Murdoch ne trouve pas cette bourse, il va nous tuer un par un. Oh, des racontards. Il n'en fera rien du tout, surtout si moi et mon capitaine y veillons. Vous deux seuls contre une bande d'assassins assoiffés de sang? Tu crois que cette meute de chiens nous effraie, nous, les agents fédéraux, hein? Sting, Harry Smith et ses frères. À vrai dire, ils sont en tôle. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, le shérif a reparu, les a refoutus en tôle et il est reparti. Où est-ce que t'étais passé? Je regrette, messieurs. Après 10 heures, ce saloon est un self-service. Allez vous faire. Plutôt long, ton
voyage à un pastring. Tu t'es gouré de route, patate. Ben, puis que cette pendule, 40 000 en deux heures, c'est un exploit, ça, non? Et la situation? Triste, bien triste. Quoi, bien triste? Ben, pour la diligence, je voulais dire. Allez, vas-y, répète-le. Oh, pas encore. Oui, encore. Règle numéro 3, c'est moi le patron. Quand la diligence part, je Quand dois... Quand elle part d'où? Quand elle part d'Apache Springs, le relais. Eh bien, vas-y, continue, vas-y. Je la suis et je l'attaque. Tu tires ton pistolet et je tire sur toi, mais je te rate et tu lèves tes mains. Je fais le travail, je m'en vais, tu me suis et nous partageons le tout. Dernier appel pour San Antonio, Houston, en voiture. Merde. C'est ta première diligence, hein? Allez, détends-toi et tout ira bien, petit. Hein? Après vous, merci. Au revoir, bon voyage. Au revoir. Non, non, Agnès, chère. Rien ne peut arriver, j'y vais. Je sais mon nom. Ne vous en faites pas, madame. Oh. Rien n'arrivera, je vous l'assure. On vient de quitter la ville. Personne n'osera attaquer maintenant, les chevaux sont trop frais. Non, croyez-moi, madame, il faudra être fou pour nous attaquer maintenant. Arrêtez! Jetez vos armes! Et pas de blague, hein? Allez, descendez. Tout le monde dort! Viens, Agnès. N'aie pas peur, mon ange, je te protégerai. Allez, grouille-toi, le gros, j'aime pas attendre. Je l'enniche pas, Agnès. Oh, les mains! Ça t'a surpris, hein, le gros? Un peu d'air dans ton chapeau empêchera ta cervelle de sauter quand le soleil tapera dur. Ta ceinture, maintenant! Donne-moi tout ton fric, ami. Est-ce que tu te trouves malin? Il manque 1000 dollars et j'attendrai pas longtemps, hein? Non, 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 merci. Donnez-le plutôt aux pauvres de la mission. Madame, je vous prie de m'excuser. Et hop! À bientôt! Yeah! Allez, viens, Agnès, il est parti. Tu vois que j'ai bien veillé sur toi. Alors, il faudrait être fou pour attaquer une diligence quand les chevaux sont trop frais, hein? Ah! Henri! Ah! Henri, réveille-toi! Henri! Je suis navré. Oh, ce n'est rien, ça nous arrive à tous, même les anges le font. Pas aussi souvent, peut-être, mais... Quelqu'un approche! Excuse-moi. C'est peut-être un pèlerin qui veut se confesser. Oh oui. Sans doute, mon frère. Ah, Dieu seul loué. Seulement s'il te met une balle entre les yeux. Écoute, non, c'est toi qui écouteras. T'as de la chance que je ne te tue pas vite fait.
C'est parce que ma mère pense que t'es mon frère. Ah, mais si tu ne me rends pas le fric, je te déchirerai en 27 000 petits morceaux. Oh, t'as cru que je voulais te voler, c'est ça? Non, dis donc, t'es devenu très intelligent. Mais tout ce que je voulais faire, c'était de te prouver que j'avais appris enfin toutes les astuces. Mais de quoi tu parles? Ça veut dire que tu es mon patron, oui, mais que je suis aussi un bon second. Il fallait un moyen pour te forcer à venir jusqu'à la mission, parce que l'autre soir, j'ai mis les mains sur un sacré paquet de fric. Un paquet? Quel paquet? Je vais t'expliquer. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Bon, je vais voir le fric tout de suite. Tiens. Et tiens. Merci d'être venu, capitaine. Oh, ce n'est que mon devoir. Alors, où est le paquet? Quoi? La bourse. Ah, frère Clément. Oui, mon père. Va chercher la source du mal. Oui, mon père. Brouille-toi, Clément, brouille-toi. Oui, oui, je me grouille. Ah, tu sais, ce sont des fermiers. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Voici mon père. Va au travail. N'est-ce pas horrible, capitaine? Oh là, ça, oh là, c'est horrible, ça, horrible. Ouf. Lieutenant. Pendant que tu organises notre défense, j'irai au QG livrer le paquet. Il vaudrait peut-être mieux que j'y aille, mon capitaine. Non. Je préfère dans ce cas-là qu'on y aille tous les deux. Hein, lieutenant? C'est une idée. Ouais, c'est une idée. Oh, en attendant, sortez vos armes et à vos postes. Quelles armes, capitaine? Ah bah oui, j'ai oublié de te le dire. Ils n'ont pas d'armes. Mon père! Mon père! Ils arrivent, ils arrivent! Oh, mon Dieu, mes frères! Ils vont tout sauter! Faites comme je vous ai dit. D'accord, venez, mes frères, et arrêtez de casser. Et où pense qu'il allait, ce crétin-là? Allez, viens. Viens. Ouvrez! Ceci est la maison du Seigneur, mon frère. Venez en paix et la porte s'ouvrira. Espèce de vieil imbécile! Venez en paix et vous serez accueillis. Il est un peu gaga, il radote maintenant. Enlevez vos pistolets, les gars! Vous croyez que vous êtes invulnérable sous vos soutanes, n'est-ce pas? Il semble que vous ayez dépassé les règles de votre fraternité cette fois-ci, mon père, en accueillant mes clients avec des balles. Ai-je raison? Murdoch. Oui, monsieur. Va chercher notre bien avant de faire sauter la mission. Oh, mais non, vous ne pouvez... Tais-toi, vieil imbécile. Il n'y a pas un sou dans le puits, monsieur. Quoi? Notre bien. Eh bien, je n'ai pas le choix. Murdoch, à vous de jouer. Allons-y, les gars. Allez-vous-en. Allez-vous-en, j'ai dit. Reculez, messieurs. Venez voir ça. Encore vous? Ouais, la loi. Laissez tomber vos pistolets. Obéissez. Oh non! C'est ma fille. Il la tuera. La comédie est finie, messieurs. Halt!
N'en sais rien, petit. Oh, Sidney. Calme-toi. Oh. Bien joué, Murdoch. Merci. Bon, maintenant... Un moment. Il reste un petit détail qui vaut 50 000 dollars. Merci. Beau travail, les gars. Où vas-tu encore? Reviens. Crétin. Tais-toi maintenant. Hey, venez! Vous autres, aidez-les! Allez, est-ce que ça vous servira à quelque chose? Non, pas à moi. Demandez-leur. J'ai besoin d'une carabine. Arrêtez! Enfoncez cette porte. Allez-y! J'ai dit arrêtez! Ah, ben, elle est vide. Allez-y. Le paquet! Le paquet! Donne-moi! 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 C'est inutile, messieurs. Elle ne mène à rien. Oh, mais vieil imbécile. Arrive! Allez-y, les avants! Dépêchez-vous, allez! Allons-y! Ils ont le macon! Fais-moi le pote!
C'est moi qui ai envoyé notre frère. J'avais confiance en vous, mais vous deux seuls contre cette bande, franchement, j'ai eu très peur. Est-ce que j'ai mal fait? Non, pas du tout. Mon père. Bonjour. Voici nos anges gardiens. Sans ces messieurs, la mission aurait été perdue. C'est un plaisir, monsieur. Monsieur. Ah, mon capitaine, le général a besoin de nous faire appliquer. Tout de suite, lieutenant. Quand je vous ai vu de loin, j'ai pensé que vous étiez un voleur de bétail très connu. Ah, on nous a déjà dit la même chose, monsieur. Hein, capitaine? Ouais, c'est bizarre. Et voici 50 000 dollars, les profits de monsieur Parker. Le juge en sera ravi. Une ressemblance bizarre, ahurissante. Vous savez que vous ressemblez à cette canaille étonnamment. Je jurerais que... Et voici la prime que le capitaine a eue pour la capture des hommes de main de Parker. Eh bien, cet argent-là est à vous. Selon la loi de cet état, vous pouvez... Oh, ben, bizarre. Notre salaire nous suffit, gardez-le. Le gouvernement peut être fier de vous deux. Au revoir. Salut. Un séjour. Alors, j'espère que tu es satisfait de toi. Tout ce boulot et un paquet de fric dans la flotte, et ça parce qu'un imbécile de Ranger t'a reconnu. Ben oui, mais... Oui, la vérité est qu'on ne peut pas avoir confiance en toi, voilà. Turn the tables around.